Et salut tout le monde et bienvenue sur Final Fantasy Brave Exvius pour la suite des aventures de sur Tirnado. Pourquoi j'essaie de mettre un L? Pour l'entrée du passage de Baleine. Alors c'est parti. Voyons voir ce qu'il nous réserve. Si le chargement veut bien. Voilà. Donc tu ne te rappelles de rien, et ben non. Elle se rappelle de rien comme d'habitude, c'est comme si j'avais fait un rêve très important, mais je m'en souviens. Ouais, voilà. Ça te reviendra assez vite. Est-ce que ça sera une deuxième exploration? Disons qu'on soit à Tirnado, non? Ah bon? Une vraie mine. Ça c'est cool pour une fois. Ce n'est pas juste une grotte, c'est un tunnel. Je me demande où il mène. Si quelqu'un s'amuse à faire des tunnels, alors cet endroit n'est peut-être pas aussi abandonné qu'on le pensait. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Let's go. Est-ce qu'il y aura des ennemis? Je pense. Encore 10 d'énergie? Ça commence à coûter assez cher. Noctis, je te choisis. Deux Firion, pourquoi pas? Double Firion. Des diablotins. Désolé Fina, on n'a jamais voulu te laisser toute seule sur cette plage. Ne t'en fais pas, je vais bien, je t'assure. Et puis je savais que vous viendrez me chercher. Ok. Alors. Oui, de coup. Dana, je crois que je peux le faire. Des diablotins. 10 000 points de vie normalement. 11 000, oh ils ont. Et ils aiment pas la lumière. Bon, j'ai pas de dégâts de lumière à faire, malheureusement. Deux tués sur 3, pas mal. J'ai pas de dégâts de lumière, je suis un peu dégoûté. C'est des petits insectes. Faiblesse. Ça c'est bien, je crois que ouais, Firion fait plus de dégâts sur les cartes rush. Ouais c'est ça. C'est cool. Troisième combat. Encore des diablotins. Bon, on va attaquer normalement pour voir au moins qu'est-ce qu'ils ont pour m'attaquer. Ok. Pourquoi pas? Avec juste du feu, c'est bizarre. Pardon. J'aimerais bien qu'ils fassent plus. Feu plus. Oh, un gros dragon, je crois. J'espère. En tout cas, ça a pas l'air d'être une écaille. 7000 d'XP, ça c'est pas mal. 10. Chromosy. Ici, il était pas du tout. Alors, deuxième, c'est. Merde, j'ai pas vu. Battle la côte. Ok. On va prendre Klein. Dommage qu'il est quand même 4 étoiles. Je l'aimais bien, moi, Klein. Mais bon, pourquoi pas. Alors, des veuves obscures qui peuvent paralyser et empoisonner. Ah. Du poison, on va juste enlever. Parce qu'on n'aime pas le poison. Alors, garde ruche et un diablotin. Une garde ruche morte. 19 000. C'est du n'importe quoi les dégâts. Ah c'est vrai, j'ai pris Kefka. 3 000.
j'aurais peut-être dû utiliser le pouvoir de Kafka. Ça, ça ira peut-être plus vite. Allez, on tente, on verra bien. Alors, oh, je sens que... Normalement ça fonctionne, c'est des petites créatures. Et voilà, 8000. 8000 et quand même d'attaque, quoi. Et en plus c'est deux zones. Je trouve ça cheaté. Pour 20 d'énergie. Ce qui est rien du tout. Alors, 5900. Pas mal. Toujours pas de ressources particulières. C'est un peu chiant ça. J'aurais bien voulu voir d'autres ressources. Allez, on prend XS. J'aimerais bien le voir aussi XS. Ah, ça serait tellement bien. De toute évidence, les souvenirs de Fina renferment certains secrets. Quelle est la signification de tout ceci? Surtout qu'elle nous a demandé. Je me rappelle plus les deux mots. Les souvenirs cachent un secret, mais personne ne sait ce que c'est. De nous et de votre humeur. Ouais, elle nous a demandé de choisir entre deux personnes, je dirais. Qui est-ce? Je pense qu'on le saura soit à la fin de. Ou sûrement à la fin de. De l'île Tirnalto. Litrock. Pas mal. Mais. Je voulais pas faire ça. Hein. Ok, empoisonnement. Ekdes cache les armes. C'est n'importe quoi. Il est tellement grand. Là. C'est n'importe quoi. Quelqu'un. Proche 5 heures. Heureusement aussi qu'il y a pas mal de PM. Sinon je pourrais pas faire autant de sort. Après normalement. C'est normal qu'il y ait beaucoup de PM, c'est un mage. Mais bon. Il y en a certains qui ont 3 fois moins. Bah son PM au moins c'est énorme. Alors, minerai, pirate de lumière, corne lumineuse. Ça sert à rien la corne lumineuse. Je me rappelle plus à quoi ça sert. Et j'ai oublié de voir encore. Si j'étais pas connerie, ils le disent là. Le chemin du 3. Et bien sûr, le dernier, il faudrait que je claque un petit truc d'endurance. Une potion d'endurance, voilà. Alors, t'es là. Moi qui voulais le jouer. Vu qu'il y a un sort. Feu X. Qu'est-ce que je crois que t'as feu, non? Ah non, c'est glace ou feu. On va essayer double glace pour voir. C'est pour ça que j'aime bien les mages. Alors, on refait. Et si je fais répéter? Oui, donc ça fait les deux que je l'ai utilisé. Ah, voilà. Il se bat une chaîne. C'est dommage. C'est reparti. Deux scorpions. Ah, là c'est une chaîne. Combo élémentaire. Donc ça rajoute 1000 de dégâts. Pas du tout négligeable. Faudrait que je voie ça fait quoi si on prend les mêmes persos. Enfin, des personnages qui ont les mêmes sorts. 5 fois. Donc 5 mages. Faudrait que je teste un de ces 4. Et donc, l'entrée, le croisement. On n'est pas à la fin, je crois. Vu que c'est un croisement. Heureusement que j'ai de l'énergie. Quoi. Allez, c'est parti. Le croisement. Voyons voir si. On va prendre qui? Deux Kafka. Pourquoi pas? Double glace. Aldor et S. Eh ben voilà, c'est les deux. Aldor et S. Les noms que Fina a mentionnés, c'est la première fois que je les entends.
mentir, moi aussi. Et pourtant, tu les as dit, le mystère, c'est Messi. Altor et Fou. J'avoue, c'est quoi ça? C'est des divinités? Ou le bien et le mal, dans une autre langue? Merde, je vais pas dire ta question. C'est une très bonne question. J'aimerais bien savoir. Mais je pense que ça va nous tirer par la suite. Et non, on va mettre en garde. Double gazon. Ça fait tellement de mal les mages. Et c'est le boss. What? Aldor et S, je ne peux pas m'arrêter d'y penser. Le véritable objectif de Veritas, c'est maintenant ça. Ce n'est plus un voyage, c'est un jeu de piste. C'est pourquoi nous devons pas laisser nos ennemis se jouer de nous. Exactement, pas question de perdre un seul combat avant d'avoir des réponses à nos questions. Je suis d'accord, mais c'est qui? Aldor et S. Alors, je tue personne. Magnifique. Lame éclair. Ah, il fait quand même mal avec ça, lame éclair. Il est chez Zulu et Bart. J'aurais dû attaquer en même temps, mais j'avais la flemme. Ah, c'est vrai que le rampant. Il résiste aux dégâts physiques. Mauvais œil, balayage. Ouais, elle a rien fait quoi. Alors, feu plus. Oh, il a pu créer feu plus. Ou il a Ifrit. Non, non. Oh, il a créé feu plus. 10 000. C'est tellement abusé. Bannissement. Allez, vas-y. Les dégâts des mages. En plus, c'est deux zones, c'est ça le pire. Bon, après, c'est sa faiblesse, je suis d'accord, mais. Non, pas du tout. Non, ne meurs pas à la soie. Vite, il faut l'amener chez un soigneur. Je te laisse le soin de lui expliquer. Rain. Oh, genre, il en peut plus. Non, mais c'est, sans déconner. C'était facile. Est-ce qu'on va trouver une ville où ça sera toujours un. Enfin, la suite de l'aventure? C'est une très bonne question, ça. Chromatie, soit perle de sagesse. Rien du tout. Oh. Ah bah. Pour un tunnel, le vent est assez fort. Nous sommes peut-être vraiment arrivés à Eternalto finalement. C'est la ville qui abrite le cristal du vent après tout. Oh, pas mal. Il a été dissimulé dans un temple, tout comme le cristal de la terre. D'accord. Et c'est là qu'on doit aller. Ok. Qu'on avance dans ce nid. J'ai l'impression qu'il ne mène nulle part. Repérer sous terre, faisons attention à ne pas nous perdre. Ça me fait penser au flashback de Rain. Peut-être que Rain est déjà arrivé ici. Si tu parles à drouiller dans le noir, tu vas vraiment te perdre. Je sens une légère brise depuis tout à l'heure. Je suis sûr que c'est par là. C'est comme si quelqu'un nous appelait. Ok. Et on fait qu'à sa tête. Et donc ça, c'est la sortie, non? End du passage. Entrée, l'end. Et la fin. Et on arrive à la ville. Je pense que c'est ça. On continue? Ou on s'arrête? Vaut mieux s'arrêter, même si ça fait des plus petits, on va s'arrêter là, je pense. On va faire quand même l'invocation du jour. Invocation. Invocation du moment. Augmentation. Non, ça on s'en fout. Ça serait plus ici. J'ai 10 tickets. 10 fois, ouais, ça devrait le faire. Bon, allez, ticket d'invocation.
voyons voir qui c'est qu'on va choper. Déjà jaune, c'est pas mal du tout. Moi je dis oui. Je dis oui, c'est un 4 étoiles. Voyons voir. Et... Terra ! Et je ne l'avais pas du tout. Récompense absolue Ultima. J'ai hâte de voir ce que ça fait. Ok, bah ça fait une autre personne que j'avais pas. Je crois qu'on pouvait l'avoir en 3 étoiles. C'est 3, 4 et 5. Enfin bref. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis donc à demain pour la suite de l'aventure. Allez, sur ce, ciao ciao.